Bonjour, je m'appelle Ferdaous Boukris, je suis en génie mécanique et conception. Alors, je m'appelle Paul Panier, comme un panier, et j'ai été en INSI. Je m'appelle Xinyu Seima. Omar Wardi. Alissa Ligé-Schweitzer, donc master ETI. J'étais en informatique à l'UTBM. Je suis étudiante en énergie. Je viens d'être diplômée d'informatique, qui a option ingénierie des logiciels et de la connaissance. Je me suis spécialisée en développement d'applications. Je viens d'être diplômée de la formation EDIM. Département génie mécanique et conception. L'UTBM, c'est un regard différent sur l'amitié. Alors, l'UTBM est un regard différent sur... Ah, question difficile. Sur les technologies, sur comment apprendre, comment évoluer dans le monde professionnel. Il y a plusieurs nationalités présentes à l'UTBM. Donc pour moi, c'est un regard vers différentes cultures. Sur l'humain ? Sur l'humain, tout simplement. Un regard différent sur la technologie. Sur l'innovation. Sur l'enseignement, je dirais. Parce que justement, laisser la possibilité aux élèves de choisir ce qu'ils veulent faire, c'est pour moi les responsabiliser. Un regard différent sur l'entreprise. Vraiment, je reviendrai à cet esprit qu'on retrouve dans les 2 fois 6 mois des stages, où on veut beaucoup plus rentrer directement dans l'industrie. Un regard différent sur tout. Parce qu'un ingénieur, c'est pas forcément une personne qui a toutes les solutions, mais c'est une personne qui sait où se trouvent les solutions. C'est un regard différent sur l'avenir, parce qu'il y a beaucoup d'innovations, de développement en cours au sein de l'UTBM. C'est un regard différent sur le monde, bien sûr. L'UTBM, c'est du partage. L'UTBM, c'est super. L'UTBM, c'est formidable. L'UTBM, c'est la folie. C'est génial. C'est grandiose. Un mot, c'est beaucoup trop dur. L'UTBM, c'est la bonne humeur. L'UTBM, c'est le défi. UTBM, c'est cool.